Salut la VOD, salut tout le monde. Alors, on continue Graveyard Keeper. Si vous avez bien suivi dans la dernière vidéo, on s'est vachement débloqué. En fait, on a juste parlé à Serpent, mais il y a eu trop de cinématiques, trop de choses qui sont arrivées d'un coup. Entre autres, alors que je reprenne un peu dans l'ordre des objets, déjà. On a eu du vin à la VOD, donc ça c'est pas en rapport avec Serpent. On a eu le journal du gardien qu'il faut aller retourner à l'astrologue. On a eu la clé, on l'a toujours. Parchemin du cimetière, c'est quoi ça? Oui, on peut débloquer la partie ouest du cimetière, donc on a une plus grande zone pour mettre des corps. On a eu deux histoires. On a eu du jus de zombie. Le jus de zombie, c'est ce qui va nous permettre. Ça fait partie des trucs qui font partie du DLC, je pense, pour créer justement des zombies. Donc on avait vu un zombie qui nous a parlé des mythes, des insectes, tout ça, c'est rien de très important. Voilà. Du coup, on reprend. Retourner au presage que j'aime, colline des sorcières, enfin portail colline des sorcières, trouver un zombie dans les débris à l'entrée des bois. Voilà, ça je m'en souvenais quasiment plus. À l'entrée des bois, il y a un zombie et on pourra voir son équipement. Donc la boue. Ah, une bouteille de vin pour Jerry, ça j'en ai, mais c'est pas du vin de bonne qualité, mais bon, il s'en fiche. L'astrologue avec son journal, donc ça je viens de le dire. C'est pas du vin de qualité argent pour l'inquisiteur. Serpent, du coup, maintenant il veut un seau de sang et 5 clous ensanglantés. Donc ça, faut les trouver dans le donjon. Le marchand, il veut une licence commerciale qui coûte super cher, 10 ou 50, je sais plus, enfin trop cher. Et il a besoin d'un remède pour sa malédiction. Faut que je joue avec la fée. Mademoiselle Charme le collier, c'est avec Serpent, donc c'est pas tout de suite. Faut atteindre 20 de réputation de l'église, on va dire. Et des filets de poissons. Auradric, le tampon pour la viande. Clotho, justement. Pour l'aider à retrouver la mémoire, il faut faire pousser une citrouille de qualité argent. Sauf que le fermier veut bien m'en vendre que une par une et à un prix relativement déraisonnable. Donc je sais pas s'il y a un autre moyen d'en avoir, ou sinon il faudra que je fasse plusieurs allers-retours pour le voir. Tout ça, il n'y a plus rien si. Wagner, il veut une bouteille de vin, c'est pas marqué qualité argent, donc ça se trouve ça peut marcher. Et voilà, Gunther le zombie attaché. Alors, on est le jour de l'astrologue, le jour de la lune. Est-ce que j'avais des trucs ici? Non, on va d'abord voir l'astrologue. Alors. Tac, ça on peut poser. Ça je sais pas. Le reste on va peut-être pouvoir garder. On va voir Wagner. Parce que il veut du vin. On dépose. On va voir Wagner parce qu'il veut du vin. On file direct chez l'astrologue après. En parlant de vin. Non, ça va, toutes les vignes ne sont pas prêtes. Donc, je savais pas qu'on pouvait passer par là. Donc, on va peut-être y repasser au retour, mais c'est pas important. Enfin, c'est plus important de relancer toutes les vignes en même temps, comme ça je récolterai tout en même temps, donc les premières vont attendre les suivantes. Voilà. J'aurais pu passer par le sous-sol, du coup j'en profite pour voir s'il a des graines de citrouille encore. Tac, tac. Commercer. Ah, cette fois il veut bien m'en vendre plus. 3 avec celle que j'ai sans froid. On aura 4, de toute façon je peux pas en avoir plus. Et là prendre des graines de citrouille de niveau argent, ça peut être bien, mais
mais ça, vu que je peux en mettre que 3, je peux pas faire une plantation, donc ça ne m'avance pas vraiment. C'est déjà midi, heureusement que j'ai pas trop fait de détour avec des travaux. Parce que je ne suis toujours pas au phare. Je suis même pas encore allé voir Jerry non plus pour lui donner sa bouteille de vin. Lui, c'était bien une bouteille de vin en argent, c'est ce qui me semblait, mais c'est pas marqué dans la mission. Allez, allez, c'est pas grave. On avance quand même. Je me demande si j'achète des œufs, des... Ah, on peut acheter des plumes ici. Je vais garder mon inventaire. Ce serait peut-être bien d'acheter des œufs, du lait, tout ça pour faire des gâteaux. Vu qu'on a dit que c'était pas mal, même si c'était un peu... Il y avait beaucoup d'ingrédients que je peux pas. Enfin, les œufs et le lait, je peux pas les produire, quoi. Mais au moins, après, c'est mieux. Pour les études. Alors, de mémoire. Lui donner le journal. Excellent, excellent. Toutes ces choses importantes qui doivent se trouver dans ce livre, c'est fabuleux. Une histoire. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis une éternité. Alors, comment puis-je ouvrir le portail sur la colline aux sorcières? Laissez-moi regarder, vous devez fabriquer un laser spirituel. Mais je ne sais absolument pas ce que c'est qu'un laser, désolé. Il doit être construit sur le piédestal situé devant le portail. Il est constitué de deux éléments, un émetteur et un canon. Ah, voilà, les trois parties de l'émetteur. Un miroir de l'orgueil, un charbon ardent éternel et une fourchette salée. Et pour le second élément, où pourrais-je trouver celui-là? Ma seconde partie du texte du livre est couverte d'une substance collante. Je vais d'abord devoir la nettoyer. Je pense que je vais avoir besoin d'acide et d'outils de restauration pour nettoyer tout cela. Et bon. Ça aurait pu être la même tâche, mais c'est pas grave. Au moins, ça détaille. Je sais ce que je lui ai donné ou pas. Où pourrais-je trouver tout cela? Il a écrit que ses amis pensaient que ces choses pouvaient être trouvées en ville. Je ne comprends pas très bien. Il a noté qu'il s'agirait de l'âme de la ville. Tout ceci m'a l'air totalement farfelu. La magie, bah, n'importe quoi. À votre place, je commencerai par le plus visible. Allez jeter un œil à ce piédestal près du portail. Ensuite, essayez de vous rendre en ville et trouver ces objets. Vous avez débrouillé une nouvelle technologie et obtenu recette acide. À propos de cet acide, seriez-vous où je pourrais trouver de l'acide? J'ai abandonné l'alchimie il y a bien des années. C'est une voie sans issue. Mais je pense savoir où vous pourriez trouver de l'acide. D'accord, ça c'est un texte qui tourne en boucle. Petit bug, les gens. C'est pas comme si le jeu était récent. À propos des outils de restauration, seriez-vous où je pourrais trouver des outils de restauration? Alors là, nous avons peut-être un problème, jeune homme. L'Inquisition les a tous détruits. Les imbéciles, ils pensent que le passé n'est bon qu'à faire du mal et à apporter des malédictions. Mais je pense que vous devriez encore pouvoir en trouver au marché noir. Une personne avec des contacts dans le milieu criminel pourrait vous aider. Je connais la personne idéale. Je devrais essayer d'en parler à Serpent. L'acide, outil de restauration, commercé. La plume coûte 20 ici. J'ai rêvé où elle coûtait 10 là où on achetait les œufs. Il a une pièce d'or, évidemment. Non, il n'y a pas grand-chose là. Commercer.
poissons, il y a des cannes. Je crois que là c'est une canne à pêche ça. Et ça aussi. Donc lui, apparemment si je lui vends un poisson, il sera content. Ou si je lui achète. Alors Jerry, il n'y aura pas de soucis, il est toujours au même endroit. J'avais essayé, il me semblait, mais. Ouais, c'est ça. Oula, oula. C'est pas la même sensibilité que Stardew Valley. Oh, punaise. Oh, c'est pas facile. Premier poisson, une anguille. C'est ici. C'est un anchois comme appât. Super. On va tester un peu tout, hein, du coup, vu qu'on a compris. Mince. Là, j'étais un peu tard, je pense. Mais non, mais... ça me remet automatiquement sur le... sur l'asticot alors que c'est pas ce que je voulais. C'était pas le dernier utilisé quoi, c'est surtout ça. Je sais pas, par contre, vu qu'on commence à zéro, je sais pas si les poissons peuvent s'échapper. Poum poum. Aussi un anchois, d'accord. Et si je vais là, le 60% de chance, qu'est-ce que c'est? On va voir que j'ai plus d'espace disponible. Pas grave. C'est vraiment quand le bouchon descend un petit peu, quoi. C'est aussi un anchois. Sur la manette quand on peut récupérer le poisson, c'était pas forcément évident. C'est pas forcément facile d'avoir le poisson. C'est pour ça que je pensais que c'était pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tilapia. Très bien, je ne connais pas. Je suis pas un expert poisson non plus. Le papillon oscillaire.
Parce que pour le premier, ça débloque celui de gauche, alors que aucun appât, ça débloque celui de droite. On va essayer. Là, voilà. Pour ce bloc-là, oui, j'ai pas forcément tout précisé. Alors. Grenouille. Du coup, qu'il n'y en a pas. On va au même endroit. Je sens que je vais être plein de poissons plus ou moins pourris. Et je vais pas pouvoir rentrer. Je vais pas pouvoir faire tout ce que j'avais voulu. C'est pas grave. Voilà, là j'aurais dû cliquer d'ailleurs. Un goujon. Un écureuil monté. Ouais, il y a un écureuil là sur l'arbre. Un poisson par jour. Succès. Non, la plume est bien 20. Comme chez l'astrologue plutôt. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet? Voilà, j'ai tout. J'ai tout, je suis rempli, je veux dire. Et laisse-moi passer. Bing, boudum, bing, boum, boul, boum, boum. Alors, j'avais fait tous les bancs. Si, je peux en poser quand même quelques-uns. Alors on va poser les anguilles. Les anchois j'allais mettre, mais en même temps apparemment c'est aussi des appâts. La grenouille. La grenouille. La perche, c'est peut-être mieux. Enfin non, il n'y a pas de mieux. Je vais mettre les autres ici de toute façon. J'ai des graines de vigne, graines de citrouille. Donc faut que je plante tout ça. Je sais même pas trop ce que je dois faire avec le jus de zombie, j'ai déjà oublié. Bim, bim, j'ai pas de lingot de fer, très bien. Directement ce qu'il y avait dans le coffre quand on est dans cette zone. Alors ici on va planter de la citrouille. Okay. On va essayer de voir là-haut. Oui, les raisins sont prêts. Intéressant de donner un coup de hache dans le buisson pour récupérer des baies. Du coup j'ai pas acheté ce qu'il fallait pour faire un gâteau, c'est pas grave. De toute façon je m'en souvenais à moitié. Tourbe et on met des graines de vigne. Ici, on met de la tourbe et des graines de vigne. Bon, pareil. Voilà.
Et du coup, si depuis en bas, je vois que la ville la plus proche est prête, c'est qu'elles sont toutes prêtes et je peux m'en occuper, récolter. J'ai combien de vin et de raisins? J'en ai 10 et 10. Il me faudrait 15, 2 fois 15 de gris en fait. Ça prend une place quand même, mais c'est pas grave. Alors, Jerry, oh, il y a un cadavre. Oui, c'est lui, normal. Mais lui aussi, il veut du vin argenté. Oh là là. Du coup, on reprend. Ah oui, il faut aller. Regardez le promontoire comme m'en a parlé l'astrologue. Comme ça. Ça fera peut-être juste des cinématiques, mais au moins vous aurez tout dans la même VOD. Et moi j'aurai tout oublié dans 6 mois quand on aura besoin. Enfin, peut-être pas 6 mois, on verra. Pas dans combien de temps tout ça. Oh. Hey, arrêtez de fureter dans les parages. On vous aura prévenu. Je ne fais que me promener. Il n'y a rien à voir par ici. Mais alors, que faites-vous là? C'est une embuscade. Je ne suis pas un expert, mais cela ne ressemble pas vraiment à une embuscade à mes yeux. L'inquisiteur a fait un mauvais rêve à propos de ce portail des fanatiques. Du coup, nous attendons les fanatiques ici. Quel genre de fanatiques? Du genre maléfique. Ils sont de mèche avec les sorcières. Ça ne fait pas un pli. File-moi un coup de main, Tom. Ce sont les pourritures de fanatiques des sorcières. Ils cherchent à tuer notre roi bien-aimé. S'ils y parviennent, ils mettront un terme à la grande inquisition. Ouais, et on perdra notre travail. Mais dites-moi, ne serez-vous pas un fanatique? Non, non, je suis le gardien de cimetière et j'allais m'en aller. Je ne pourrais pas examiner le piédestal tant qu'ils seront là. Pourtant. Enfin bref. Ça m'embête. Comment on fait? Il y a un moyen de passer parce que quand je regarde les cartes. Regardez. Ici, là, il y a le passage vers la maison brûlée et il y a quand même un passage qui monte ici. Et ce passage-là, soit c'est celui-ci et il y a ce caillou qui gêne, je sais pas comment. Soit c'est juste en dessous, mais je sais pas comment y aller. Parce que... ça, je peux pas. Parce que là, c'est bloqué, quoi. Et je peux pas tomber d'un étage à l'autre. C'est pas trop doux, mais ça emmène quelque part. D'accord. Ok, bah tous les arbres, moi je voulais le buisson à gauche. Ah mais c'est parce que tu veux juste pas du tout y toucher à ses racines. Ok. Je comprends mieux. Alors... Attends, là c'est un passage en fait. Je sais pas trop où il mène. Apparemment pas grand chose à voir, mais...
aller dans le décor par ici. Des treillis, mais ça ne sert à rien vu que je n'ai pas plus de graines que ça. Mince, c'est déjà si tard. J'aurai pas beaucoup de place là, j'ai pas beaucoup de place. Faut que je fasse le sermon vite. Un peu zappé. Alors on pose. On pose. Voilà, tout au bas. Je pensais que j'avais des déchets agricoles sur moi. Les fleurs en fait sont presque mieux là que dans la. Que dans la maison. Le papillon, je peux le garder. Alors, j'ai le temps de vider mes poches, j'espère. Ça. C'est un peu cher. Les candélabres, ça peut être bien. C'est cher différemment, on va dire. Les bancs, je crois qu'il n'y a pas de place, hein, en tout cas. Enfin, il n'y avait plus de place. Confessionnal, c'est vachement cher. Je vais faire l'hôtel en bois, je crois. Donc c'est 4 poutres, 4 planches, 4 pièces de fer simples. Après cette prédication, donc ça ne sera pas aussi utile. Enfin, ça sera plus utile cette semaine. Ok. Boum, boum, pim. En argent. Alors, examiner. Déverrouiller la zone. Enfin, je vais pouvoir utiliser la partie ouest du cimetière. Voilà. Que je regarde rapidement ici. Si je fais un lieu de sépulture, je peux aller à gauche. C'est ça ? Ouais. Faut y aller. Bon, va falloir nettoyer la zone avant. Au moins, ça m'ouvre pas mal de nouveaux emplacements pour les corps. Ce serait bien que je fasse au moins un parterre de fleurs pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ici, on va poser la foie. Le jus de zombie, je pense plutôt le garder pour le sous-sol. Ça me donne combien ça? Ah oui, ça donne beaucoup de boire du vin. Alchimie avancée, cupa distillée. Seconde chance. Schéma table de résurrection. Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais. Mais en fait, je l'avais pas encore vu que le zombie ne. Enfin, j'avais pas trouvé le zombie. Je pensais que c'était la table d'embaumement. Mais non, c'est la table de résurrection.
Bon, je saute un peu les étapes, hein, vous m'en voulez pas. Mais si je peux avoir un zombie ou deux pour travailler pour moi. Station de porteur, ça fait quoi? Ça ne coûte pas grand chose. Je vais le prendre. Alors, on va au sous-sol. Si lui, est-ce qu'il voulait, à part l'allure de son église, du poisson? Ouais. Pas grand chose qui m'intéresse. Je crois que je vais avoir le temps d'oublier. C'était 4 poudres, 4 planches, 4 pièces simples. Légère de parchemin. Il y a pas mal de choses ici maintenant. Mais ce n'est pas ça. Si je voulais juste. Non, mais je peux. Si, en faisant retirer, je peux. Regardez dans quelle zone j'ai le droit de mettre des choses. Donc la zone de couloir, je peux. Mais pas le. Pas la réception des corps. Laboratoire, morgue. La morgue, voilà. Par contre, ici, je peux faire une table de résurrection. Super, alors 4 planches et 4 pièces de fer complexes. Donc ça fait 4 poutres, 8 planches, 4 fer, pièces de fer simples, 4 pièces de fer complexes. On va faire comme hier, on va faire des prévisions. Alors, il manque 2 pièces de fer complexe, 2 planches. Non, 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 6 planches. Alors, il manque 2 pièces de fer complexe. Ça va me bouffer pas mal d'inventaire, on va faire 6 pièces de fer simple. Est-ce que... Non, le reste on s'en fiche. On va faire... Oh, ça prend des pièces de fer complexes, tout ça. Du coup, il en faudra 2 de plus. Voilà. Et les planches, mais les dos... On va faire ça. On va les faire ici. Et lui, X. Il en faut 2 de plus. Vu qu'on en utilise 2 pour les poutres. Je crois que c'est bon, hein, j'ai tout préparé. On peut commencer à bosser. Et surtout se reposer, vu qu'on a eu déjà une bonne journée. Jour de la femme, Mademoiselle Charme qui a besoin de son collier, mais que Serpent ne veut pas du tout cool, travailler. Faudrait que j'aille dans le donjon aussi, à la fois pour le zombie, à la fois pour Serpent. Mais si je peux avoir des zombies qui me ramènent de la pierre ou du fer, ça m'arrangerait. Déjà plus d'énergie. C'était rapide. Du coup, tout quoi qu'on a mis en avance. Voilà. Jour de la femme, donc, on a dit qu'il ne se passait rien d'intéressant. Demain, jour du marchand. Le marchand. J'ai pas été voir Cloto pour ses sites parce qu'elle veut des citrouilles. Donc, les citrouilles, j'attends qu'elles poussent. Ah oui, elle voulait son chaudron aussi. Ah, je sais plus ce qui se passait avec son chaudron là. Fallait le racheter. Oula, là j'ai totalement oublié. Je crois que là il faut
plus. Attends, qu'est-ce qui se passait avec le chaudron de la vieille? Non, c'était une histoire. Retrouve le mot vers le chaudron, mais il n'y avait pas de chaudron, un truc comme ça, je crois que c'était. Que j'ai sur moi. J'avais dit genre 4 poutres. J'avais dit 8 planches par contre. Donc 8 planches, 4 pièces de fer complexes, 4 simples, donc là j'en ai un peu plus, mais normalement j'ai tout. Normalement j'ai tout. Si je ne me trompe pas. Si je n'oublie rien. Alors. C'était pas ici du tout. Si le marchand peut lui acheter du. Des graines de citrouille peut-être améliorées pour. De citrouille améliorée, quoi, ça serait peut-être bien. Oh. Ça a pas l'air d'aller danser vite, ça. Mais bon, ça va se faire. De résurrection. Pas de corps. Ressources requises pour la résurrection. Ah, il faut des ressources. Prendre le corps. Résurrection impossible, le corps est pourri. Intéressant. Sinon, il faut du jus de zombie et de la foie. Il est pas pourri ce corps. Bon, il a que des crânes rouges, mais ça c'est un détail. Ah oui, il y avait la palette là aussi que je viens de débloquer. C'était quoi? C'était le station de porteur. Où est-ce que je dois faire la station de porteur? Chez moi? Un hôtel. Oh non. Je pensais que ça prendrait toute la place, quoi. Là, je suis un peu déçu. Pile poil la même place et je suppose que les ce que t'as c'est plus la place du confessionnal. Faites voir 5 confessionnal, ça vaut 5 aussi. Ouais, mais autant prendre le confessionnal plutôt du coup, je pense. Bon, on va peut-être faire des candélabres. Juste pour voir. Lui, il fait 3 par 3. C'est une bougie comme ça qui sort du sol. Et le candélabre mural,
on n'a pas de mur pour le poser. Pareil, il faut une bougie. Et c'est une croix bizarre. Ok. Bon, on va mettre des candélabres à la place. Ça me paraît bien. Là, pareil, il y a un cran de plus. On garde les espaces pour plus tard. Je vais me pas retirer si... s'il n'y en a pas besoin. Ah, fabriquer, il faut que je mette une bougie. Bougie que je peux créer, je suppose, je crois. Je ne me souviens plus comment. Enfin, je sais qu'on peut les créer, mais oui, j'ai de quoi faire. J'ai quand même un recette bougie fabrique établie d'église. Prêche. Recette bougie, ok. C'est dans le sous-sol, ça, de toute façon. La meilleure école, ça me tente beaucoup là. On n'arrête pas de me dire ouais, plante des graines, je veux de la qualité meilleure et tout. Donc ça se trouve, ça va faire en sorte que, par exemple, j'ai planté du raisin qualité argent, à qualité bronze, et tout d'un coup, grâce à cette technologie, je vais pouvoir en faire des graines argent. Et du coup, améliorer le niveau de mes plantations. Si c'est ça, en tout cas, c'est génial. Enfin, c'est exactement ce que je voulais. Si c'est pas ça, ben tant pis. Alors je sais qu'on peut faire des armes améliorées. On peut faire du... Ah oui, les crânes, je peux en mettre. On peut faire des armes améliorées, on peut faire des armures. Mais est-ce que je remeurs? Non, je peux passer en fait. Mais... je n'en ai pas fait. Du coup, est-ce que ça va m'handicaper dans le donjon? Tant pis, hein, j'ai commencé. Sérieusement. Il reste un coup de hache. C'est peut-être de la poudre d'os, vu qu'on sait que les os peuvent se transformer en poudre. Découverte du donjon. On va direct au niveau 15, hein, bien sûr. Non, on peut pas. Il faut débloquer les niveaux un par un. Ok. Graine de vigne niveau or. Ah oui, si facilement. Bon bah je reviens avec, avec une hache. Plus d'énergie. On va au moins tuer celle-là. Blob, il y a des choses à... Oh. J'ai déjà plus beaucoup d'énergie. Juste visiter là où je peux sans me faire trop attaquer. Ok, ça a l'air intéressant, mais vaut peut-être mieux être un peu plus équipé. Une épée du niveau 1. Aucune armure ni bouclier. Je cherche des outils de restauration. J'ai un travail pour vous, je suis à la recherche d'outils de restauration. Un travail, comme c'est mignon. Pour qui vous prenez-vous pour oser essayer de me recruter? J'ai de l'argent, je peux payer. Non, je n'ai que faire de l'argent en ce moment. Si vous m'aidez à atteindre l'objectif de ma vie, alors peut-être que j'envisagerai de vous aider.
un échange de bons procédés, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, pour les outils de restauration, il faut atteindre le niveau 40 d'amitié. Donc dès que je lui ai redonné le saut de sang, des clous ensanglantés, déjà, lui sera content, donc il y aura sûrement un bout de son histoire qui va avancer. Je pourrais avoir le tampon royal gratuitement pour avoir pour vendre la viande de zombies, enfin d'humain, au tavernier. Je pourrais récupérer le collier de Mademoiselle Charme et du coup reprendre sa partie de l'aventure. Ça c'est 5 crânes. Je ne sais plus combien j'en ai. Tac. Oh non, tant pis. Boulou-boum-boum-boum. Faudrait que je m'équipe, ce serait bien. Oui, voilà la hache. Plus assez d'énergie. Et on va se coucher. On remet le stream en place. Parce que Twitch veut bien couper la vidéo. Donc, j'ai pas le retour de son côté. Tac, tac. Forcément, ça me fait reconnexion réussie. Comme si c'était ma connexion qui avait foiré. Enfin, où elle a dû sauter un moment, peut-être. Du coup, le marchand, j'ai totalement zappé. C'est pas grave. J'avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant directement avec lui. Là, c'est le genre de serpent. Ben, on le voit, hein, il n'y a pas grand-chose à faire avec lui non plus. Je n'ai que 3 crânes. Donc, pour faire ces statues bizarres, c'est pas assez. Technologie, peut-être que crématorium ça serait pas mal aussi. Pour éviter de jeter des cadavres à la rivière et qui me reviennent plus tard en mode la ville me châtie de leur avoir balancé plein de corps. Graines de citrouille. C'est pas la première fois, mais j'en ai gagné une par rapport au nombre que j'en ai planté. Je vais peut-être récolter le chanvre aussi, hein, tant que j'y suis. C'est plutôt à l'église. Okay. Du coup, la citrouille.
C'était pour Clotho. Mais elle en veut une de qualité argent. Moi, j'ai que du bronze. D'accord. Très bien. Du coup, je peux soit la revendre, soit la stocker. On va la mettre ici pour le moment. D'ailleurs, ça me fait penser... Voilà, le poisson. Alors, il faut des filets de poisson. Très bien. Une viande tranchée crue à partir de grenouilles. Il faut 3 grenouilles pour ça. Soit il faut 3 grenouilles, soit il faut un steak d'humain. Poisson blanc et du poisson rose. Là j'ai poisson blanc. C'était quoi comme poisson que les PNJ veulent? Alors qui en voulait déjà? L'évêque, poisson de qualité, mais c'est pas marqué si c'est du blanc ou du rose. Poisson de qualité argent. C'est plus des tranches roses qu'ils voulaient les gens. C'est pas grave, je peux en faire quelques-uns. Ça ne me coûte pas grand-chose. Ça se trouve, j'ai des trucs directement au four avec les poissons. C'était ici. Est-ce que... Non, c'est pas ici. C'était ici que je pensais, quoi. Pour le deuxième objet de zombie, là, le... Logistique zombie, station de porteur. Ou alors, c'est pour emmener depuis ici jusque plus loin. Je ne sais pas. Carotte. Non, pas besoin. J'hésite à demander plus de corps ou pas. Peut-être que c'est en dessous. Alors,
Si je peux déjà faire une bougie en fait. Donc j'y pense. De mémoire, il y a deux types de bougies. On va faire la plus simple parce que pourquoi pas, pas de raison de faire compliqué. De chambre, je peux faire. Donc là, il faut juste récupérer de la graisse que j'ai en stock chez moi et de la cire d'abeille, mais ça, je sais pas combien j'en ai en stock. De prière, oh là là. Déjà que j'ai du mal à comprendre ce que fait la prière pour la foi par rapport à la prière pour les cultures, etc. J'arrive pas à comprendre juste en lisant. Oui, forcément, j'ai rien sur moi. Je sais pas trop quoi faire là tout de suite. Du coup, on va se battre. Graines de chou. Du coup faire la bougie, mais j'avais pas envie de faire des allers-retours juste pour ça. Jour de l'homme, l'inquisiteur. Qu'est-ce que j'ai à lui faire, l'inquisiteur? Du vin, mais je l'ai pas en qualité argent. Lui parler pour les gens à la sorcière, mais il va sûrement me dire qu'il faut peut-être pas le payer, mais quoique peut-être que si. Je pensais avoir une certaine relation avec lui. Je ne sais pas trop. Voilà. Ah, d'accord. Détruire. Oui, les déchets agricoles. C'est pas comme si j'en avais beaucoup trop, mais un peu quand même. Une potion. Ça pareil. Là j'ai deux asticots. Je peux détruire juste les deux. C'est dans le mur la chauve-souris. Qu'est-ce que je peux virer? Les
pierre, j'aimerais bien ne pas les virer. J'aurais dû me vider les poches avant d'y aller. Potion de soin, intéressant. La tourbe, pareil, j'en ai beaucoup. J'en ai facilement et beaucoup. Oula, là ça a l'air d'être la sortie ni. Sortie à l'étage inférieur. De fer simple ou des graines bizarres. Bah les graines de chou, c'est pas si grave. Ouais, j'avais déjà eu beaucoup de choux. Des dernières, oui. Graines de lentilles, ça par contre elles valent cher. Pièces de fer complexes s'en servent, du coup ça fait tout ce qui sert de directement des pierres simples ou des pièces complexes ont besoin de pièces simples. Je pense que je vais surtout utiliser toute mon, voilà, toutes mes berries. C'est ce truc, c'est pour écarteler les gens. J'ai eu quelques coups que j'ai pu porter aux deux à la fois, c'est tout ça d'énergie gardée. Des clous. Et des graines bizarres. J'aurais vraiment dû vider mes poches avant de venir. Les bols de céramique, je sais plus si c'est complexe à fabriquer. Ça demande de l'eau, peut-être de l'huile. Je vais détruire la pierre. Alors les graines de betterave, c'est gentil, mais c'est des graines basiques. Graines d'oignon. En fait, j'aimerais bien les poser au sol plutôt que de les détruire. Bon, le papillon, tant pis. Graines de blé, ça par contre, on s'en fiche. Graines d'oignons dorés, ça c'est encore mieux que les oignons normaux. Comment je vais faire pour les clous?
Bon, je vais détruire les bols en céramique. C'est moins souvent utilisé que tout ce qui est en métal. Voilà. Ah mais on la voit là, la chauve-souris. Qui est passée à travers, on l'a aperçue. Elle essaie de revenir mais elle n'y arrive pas. C'est triste, ça fait une aile en moins. Un peu de dégâts en moins, mais ça. C'est pas grave. Je n'aurai pas assez d'énergie. Quelques vases à détruire. Alors, on est le jour de l'homme, il est en train de se barrer. Mais c'est peut-être que ça aurait lancé une quête de lui parler à l'inquisiteur, mais c'est pas grave. Pour se vider les poches, on va devoir passer par plein d'endroits. On aurait peut-être pu laisser les raisins ici aussi. Voilà. Je sais pas trop quoi faire du jeu de zombie, du coup je vais le laisser là. Vu que maintenant tous les souterrains sont reliés. Je peux laisser les choses dans ma maison plutôt que forcément les balader de partout. Les graines. Ça va là. Alors les raisins, je peux les récolter, mais c'est la nuit. Enfin c'est... je veux dire, j'ai plus d'énergie. Petit oignon. Vignes, je vais les garder. L'aile de chauve-souris. Pourquoi ça me sert le marteau? Je suis en train de me demander à quoi. Est-ce que ce serait pas un peu comme le burin? Chercher sur internet. Et j'ai juste mes ailes de chauve-souris et mes poissons. Ça va. Boum boum bim. Boum boum boum. Alors, c'est déjà re le jour de l'astrologue et on n'a pas d'acide, on n'a pas d'outils de restauration. J'ai oublié. Demi-tour, j'ai pas d'engrais. Faire des tours, j'aime ça. Ça rallonge tout.
Ça fait juste perdre un peu de temps. Tac. Ça tombe bien parce que là, j'ai 6 de tour et j'en ai besoin que de 4. Je n'en ai besoin que de 4. Ah, il me manque une graine de vigne améliorée. Je n'en ai que 3. Par contre, j'ai gagné 2 graines de vigne de bronze. Super. Tout stocké là, tant pis. Alors, on avait dit la cire d'abeille. La cire d'abeille, est-ce que j'en ai? J'ai tellement de coffres en même temps que c'est pas évident à trouver à chaque fois. J'ai du miel. Là j'ai 2 de cire d'abeille pile poil ce qu'il me fallait. Voilà. Allez, on passe par dehors. Je sais plus combien de chanvre il me fallait par contre. Tout ça juste pour. Tout ça juste pour faire une bougie sur un candélabre. On va tout prendre. Alors, on fait ça. Voilà. Forcément, j'ai oublié de prendre ma graisse. Enfin, ma graisse. La graisse de mes cadavres, évidemment, pas la mienne. La plupart de ce que j'ai stocké dehors. Non. La plupart de ce que j'ai stocké devant l'église, je devrais le stocker maintenant au sous-sol ici. Voilà. Pour y avoir accès rapidement. Par exemple, le champ. Toutes les cordes en chambre sauf une. C'est comme ça qu'on fait sauf une. Par exemple les ailes de chauve-souris. Ça me fait penser qu'on peut faire du jus de raisin. Voilà. On va faire tout ce qu'on peut. J'ai rêvé. Non, j'ai bien gagné un d'essence bleue, mais je ne sais même pas trop comment, puisque j'étais à 9 pendant un bout de temps. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Je suis curieux de savoir comment j'ai gagné un d'essence bleue. Yes.
On a 6 pièces de fer simple. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? Ah, j'ai posé la bougie. Tout ça pour pas grand chose. Je vais passer par l'extérieur, comme ça je vais poser quelques carottes. Ça je pose. Citrouille toujours pas en argent, je m'en fiche. Donner le poisson, je peux pas, j'ai du poisson blanc et pas du poisson rouge. Elisabeth Allure. Pas vraiment, je suis à 11 sur 26. Non. Ah, parce que du coup le... Ah d'accord. En même temps c'est logique, les bougies sont consommables, mais là ça me dégoûte un petit peu quoi.
J'avais fait le deuxième candélabre exprès pour exprès pour que pour avoir les deux d'allumer avec des bougies en même temps. Et là, en fait, il faut juste remplir de bougies avant de parler au... soit avant de faire la prédication, soit avant de parler au prêtre. Ah, je suis un peu dégoûté là-dessus. Là, ils sont unanimes, superbe serment. Et forcément, ils donnent encore moins de sous, chacun. Alors, je pose tout ça. Je pourrais commencer à étudier des trucs, enfin, continuer à étudier avec la foi. Maintenant que je me suis débloqué. Le poisson, soit est-ce que je retourne à l'autre bout de la ville juste pour ça? Non. Je vais rativoiser un peu ici. Nettoyer un peu tout ça. Bah, je ne pourrais pas nettoyer tout ça vu que j'ai ma pelle qui a lâché. Pelle requise. Peut-être que j'améliore mes outils, qu'elles sont sûrement moins souvent. Ouais, les bols de céramique, c'est pas très compliqué à fabriquer. Faut de l'argile. Mais ce n'est pas compliqué. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit à très vite sur Graveyard Keeper. Bye!